des fois, il se passe des choses bizarres, des spectateurs, entre autres, qui montent sur scène. Oui, on a eu ça en Suisse l'année dernière. On a joué à Arlette en Suisse. Il faut savoir que le spectacle se passe au collège Sainte-Jacqueline de Compostelle. Et à la fin du spectacle, il y a un mec qui arrive des coulisses, un montagnard, et il s'installe avec son gros sac sur scène. Il s'exprime en anglais et puis il explique qu'il cherche le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et qu'il cherche un gîte. Donc mon régisseur me regarde, il regarde le responsable de salle, il dit « c'est quelqu'un de chez vous ?» Le type, il dit « non, c'est pas quelqu'un de chez vous ». Et donc finalement, ben, personne ne comprenait d'où il venait, donc moi, j'ai gentiment rangé mes affaires en chantant Edelweiss, sans être en Suisse, et le gars a continué, et puis il est resté là tout seul sur scène, puis les gens ont applaudi, et puis tout le monde est parti, et puis au bout d'un moment, il est parti aussi, on n'a jamais su ni comment il était rentré, ni d'où il venait, mais c'était le mystère. Au moins, il a tué personne, donc ça, c'est déjà c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est quand en Amérique, au Canada, hein. C'est pour ça que vous êtes venus ici.